Bonjour à tous, c'est Drahi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de type constructif, de type élaboration d'un sujet et un plan de cours. C'est totalement faux, il y a des graviers. Oh la vache! C'est totalement faux, on se retrouve pour une vidéo de. Bon, vas-y, je le lance. Ça sert à rien de parler comme ça. Vas-y, lance. Oups, blablabla. Comme dit le proverbe, t'as beau avoir une sirocco, c'est pas pour autant que tu peux faire le beau. Proverbe qu'évidemment je viens d'inventer. Salut, gros V. Ouh là là, non, ne filme pas ça, Drahi. Ne filme pas des vaches, les vegans vont te tomber dessus. Ne filme pas ça, ouloulouloulou. Si je mets pas la première, ça va pas avancer. Je sens que, bah là, tu vois, je suis obligé de m'arrêter au feu, là. Je sens que ça va démarrer devant, mais je vais me prendre l'orange. À tous les coups, ah, voilà. Et ben voilà. Bon, après, qu'on me dise que je suis devin, bon, c'est peut-être pas non plus le bon adjectif. En tout cas, très très fort dans ce qui est des feux orange, là, on peut me caractériser comme un certain... Voilà. C'est ça que j'ai oublié. Merde, putain! Bonjour, ça va? J'ai oublié de faire la description de la prochaine vidéo. Hein? Donc, je pense que je vais faire ça avec Mink dans un bar de type boisson non alcoolisée, puisque en moto, l'alcool, c'est pas de l'eau, malheureusement. C'est la perte d'équilibre. Allez-y. De rien. Oula, j'ai cru qu'il allait me faire un jeté de canne. C'est les nouveaux sports. C'est pas ouh, attention, plaque d'égout. Très dangereux. Si t'arrêtais une plaque d'égout, là, ce serait très dangereux de prendre ça. Oh, très joli, en tout cas, mademoiselle. Octogone ou quoi? Salut, octogone ou quoi? Non. C'est un Z. Un Kéké Z rencontre un Kéké MT-07. Forcément, on s'entend bien. C'est un gros V. MDR. Clignotant. Au moins, clignotant. S'il te plaît, montre-moi l'intention de tourner que tu as envers moi. Nom de Dieu, de bonsoir, de bon sang. J'ai fait des vidéos sur YouTube. Ouais. Ouais, ils m'ont dit bonjour. Les policiers à moto m'ont dit bonjour. Je leur dis bonjour, ils me répondent bonjour. Voilà, c'est donnant, comme on dit dans le milieu. Hein. Voilà, c'est un bien pour un bien. Fabien Barthez. Et... ah. Ah, ouf, enfin je respire. Ouais, c'est bien, je m'en bats les couilles. Non, ça c'est vraiment petit. C'est pas très cool, c'est méchant. C'est un geste gratuit. Fonce Jean-Luc, fonce Olivier Giroud. Et bah foncez tous, voilà, foncez tous. Allez, ouais, j'ai... Mais je vais pas les écraser. Bah oui. Eh ben oui, hein. Et puis là, il y a un stop aussi. Non mais oh, on va se calmer la vieille là. Pour une fois qu'une vieille veut aller plus vite que la musique. Putain, je touche ma cuisse. J'ai du boyau d'insectes partout sur les doigts. Je peux te dire que. Fou, c'est pas ouf quoi. Putain, c'est casse-couille. C'est quoi qui vibre? Oh là là, merde, c'est quoi qui vibre? C'est peut-être le vibrequin. Vas-y. Bah oui, hey. Bien ou bien? Ça va, nickel. Bon bah impeccable alors. Je sais pas qui c'est. J'avais envie de discuter donc bah, j'ai discuté, écoute. Ouais, on va éviter de faire ça quand même. Parce que là, bon, c'est pas que je te percute, mais je te percute un peu quoi. Évitons de s'embêter avec un constat de type jambe cassée, parce que là, sinon, ouf, hein. C'est quoi? C'est une merde d'oiseau? Ah oui. C'est une merde d'oiseau. Pourquoi j'ai fait ça? On dirait du Nutella, tu sais, du caramel au beurre salé. Hop là, bah non, celui-là était très très cocasse, on va dire. Hein, très cocasse. Putain, je viens pas hyper souvent en ville, mais quand je viens, c'est la débâcle. Et parce qu'il y en a, ils regardent mes vidéos, mais ils pensent que je viens tout le temps, enfin, ils pensent que je roule exclusivement en ville, tu vois. Oh, t'as une MT-07, t'es dommage que tu vas que en ville. La prochaine fois, bah, je vais vous mettre une vidéo où pendant une heure et demie, je fais de la campagne, et puis ça parle pas, et puis ce moment où ça va parler, c'est « Oh, je me suis pris un grillon dans la visière !» MDR, quoi, trop drôle, il se passe beaucoup de choses. Je fais une vidéo, gros. Ça va? Ouais. Vas-y, ça marche.
Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il y a un trottoir à gauche. À gauche, il y a un trottoir. Non mais je te jure, les gens ils sont waouh. Hey. Elle m'a dit connard. Connard, vous êtes un connard. J'en reviens à la mamie de tout à l'heure là, parce que bon bah ça fait 5 minutes que c'est passé. Et j'en reviens. C'est pour elle que j'ai dit ça, c'est pour sa sécurité. C'est pas parce que je vais faire mon abruti ou quoi que ce soit. Hein. C'est avant tout pour sa sécurité, parce que c'est dangereux pour elle et pour les autres. Après, enfin, qu'elle m'insulte de connard, je le comprends bien, puisque c'est un peu... Bah c'est un peu vrai au final. Mais non, c'est pour elle, hein. C'est pas pour faire le mariole ou quoi. Hein. Enfin bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Rira bien qui rira le dernier, comme on dit. N'est-ce pas? C'est très très pratique cette visière. Je peux regarder les gens sans qu'ils me voient. C'est quand même très très pratique. Genre là, je me vois, mais celui qui est dans le miroir, il me voit pas. Bah non, c'est moi, je suis con. On passe devant le stade Michel Zorman. Ça se trouve, alors je vous parle, ils sont déjà maintenus. Parce que je sais pas qu'on va sortir cet extrait vidéo là que je suis en train de dire. Ça se trouve, bravo les gars, vous êtes maintenus. Ou sinon, vous êtes en Ligue 2. Sinon, vous êtes en Ligue 2. Créatrice de lumière, création de robes artistiques et thérapeutiques. Des robes thérapeutiques, c'est-à-dire que c'est des robes qui te font du bien, voyez donc. Pour ceux qui veulent être soignés avec leurs robes sur eux, c'est le moment. T'y crois toi des robes thérapeutiques? Des robes thérapeutiques, c'est des robes qui font du bien. C'est normal ou... David Beckham. De rien, y'a pas de soucis. Wow, on dirait que je me transforme en extraterrestre. Ah mais tu sais, quand les gens ils me disent merci, ça me provoque chez moi une euphorie totale, tu vois. Mais hop, 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 vas-y, fonce. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Oula. Eh, enlève pas une main du guidon, frérot, si tu sais pas, parce que ça a failli se transformer en situation très comique, hein. Non, parce que je voulais changer de voix, donc je commence à prendre l'angle mort, sauf que je vois le orange, alors je sais plus quoi faire, du coup ma poignée, j'accélère, et bah voilà, j'ai pas pris le, bah ouais, wow. Quand il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Le contraste est incroyable. Genre, s'ils sont rouges, j'y vais. Voilà, bon bah j'y vais. Oh putain, c'était un peu... En même temps, j'y comprends rien, vos travaux de merde. Vous me saoulez. Mamadou Sakho. Mais wesh, oula, méchant, ouais. Eh, salut. Ah, c'est un abonné derrière. Salut. Trop bien. Bah non. Non, elle attend 40 ans et au moment où ça passe vers pour moi, oh bah tiens, je vais peut-être traverser, c'est peut-être le moment important. Bon du coup, pour tous ceux qui n'auraient pas vu Game of Thrones, bah c'est très simple, je vais vous dire la fin. Donc du coup, à la fin... Sur le trône de fer. Voilà. Attends, ça filme ou quoi? Oh putain, ça filme. Mais qu'est-ce que tu fais à filmer, toi? Mais c'est pas vrai, merde. Putain, ouais. Putain. Les gens un peu égoïstes comme ça, vous voyez, ça me donne envie de faire ça et d'insulter aussi. Mais j'ai pas insulté parce que mon cœur n'était pas là. Mais tu vois, quant à ça, des gens comme ça égoïstes, j'aurais pu me faire niquer quoi, tranquille, hein, si j'étais pas attentif. Bah, je pense que c'est la moindre des choses de lui casser les oreilles, quoi. Voilà. Ouais, y a des pigeons partout, j'ai peur. C'était rouge. T'as beau être en costard avec ta petite attachée caisse là, je m'en bats les couilles. C'était rouge. Rouge. Là, on a une rareté en face de nous. Observez bien cet individu. C'est un des seuls à s'arrêter au feu rouge. On va dire, ça fait 10% quoi. 10% des cyclistes qui s'arrêtent au rouge. Après, je veux pas vous dénigrer, mais c'est vrai que bon. Voilà. Ah non, on va faire demi-tour. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le zouave là. Arrête de faire le zouave. Je comprends pas, c'est quoi vos manies là de mettre des graviers sur la route là? C'est quoi leur délire là de faire des espèces de bombes de gravier là? Gravier! Tu vois, ça c'est le tel accident. Mink, j'aurais dû faire caca avant de venir. Dès qu'il y a une bosse, ça. Pouf, ça me. Ça descend comme ça, comme une vache que tu. Tu sais, comme une vache que tu traites là. Enfin bon, bref. Et bien voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas pour moi, j'ai trouvé que c'était de la merde. Donc voilà.
On se retrouve la semaine prochaine, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Enfin, j'espère, oui, parce que tu sais, c'est toujours incertain, tu vois, tout ce qui est montage, tout ça. Gros V, ride safe, les gars. Et là, là, tu vois, je pourrais être encore en train de vous parler, mais c'est un choix de ne plus vouloir. Hein. Voilà.